Mais si on est au Mont-Saint-Michel, à la frontière entre l'Alsace et la Moselle, au-dessus de Saverne, un endroit reposant, calme, magnifique, bourré de lieux splendides à observer, de sites archéologiques, de sites sacrés, de sites énergétiques. On a visité le Stumfleischer, qui est un rocher à cupule absolument magnifique, le plus beau que j'ai vu jusqu'à présent. Sans doute l'un des plus beaux, voire le plus beau de France, plus de 50 cupules. Ensuite, on est reparti sur le Mont Saint-Michel en lui-même, hein, au niveau de la chapelle Saint-Michel. À côté, il y a le rond des sorcières, l'école des sorcières, il y a plein de termes pour le donner. Ce cercle est particulier car il permet de ressentir les énergies, mais de manière opposée. Quand on est au-dessus, on est sur des énergies descendantes qui nous écrasent. Et quand on descend en dessous, au niveau de la grotte de l'Ermite, on se retrouve près d'un mur où là, l'énergie monte. Quand on est dans ce cercle, on se trouve exactement à la croisée entre les deux. On a cette impression d'écrasement qui est assez impressionnante, qui gêne beaucoup de gens, mais qui est extraordinaire pour se rééquilibrer, pour s'ancrer, pour revenir à quelque chose de plus stable. On a fait un petit tour au chalet du club vosgien, les amis du Mont-Saint-Michel. Très sympathique. Allez-y faire un tour si vous passez dans le coin. Ça vaut la peine. Ciao.